Je suis arrivé trop tard pour connaître le Halifax en service. Mais j'en ai vu un quand j'étais dans l'Air Force pendant mon service militaire. C'était une épave, malheureusement. Mais c'était toujours un Halifax, et donc un avion impressionnant. Entre les mains d'un bon pilote, il était vraiment très manœuvrable. Vous pouviez serrer les virages pendant l'attaque d'un chasseur ou pour échapper en vitesse aux lumières des projecteurs de DCA. Bombardier Halifax a été le guerrier méconnu du Bomber Command. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Halifax ont accompli plus de 39 000 missions au-dessus du territoire ennemi. Ils ont largué des bombes, parachuté des agents secrets, transporté du matériel. Ils ont remorqué des planeurs et testé la guerre électronique. Le Halifax était le plus polyvalent des bombardiers lourds de ce conflit. Mais aujourd'hui, le Halifax est peu connu, presque oublié. Mais les hommes qui ont volé dessus, eux, ne l'ont pas oublié. Le temps a révélé que le Lancaster était bien meilleur que le Halifax. Mais je pense qu'il était quand même un avion formidable. Un sacré avion. Le Halifax a été construit par Handley Page en Angleterre. Frederick Handley Page a fondé l'entreprise qui porte son nom alors qu'il n'avait que 23 ans. Il était alors ingénieur électricien, et c'est dans ce domaine qu'il avait été formé. Mais il a attrapé le virus très tôt. Il a vu voler les frères Wright et a décidé alors de fonder sa propre entreprise d'aviation. C'était en 1909. C'était un écolier classique à de nombreux points de vue. J'ai vu une copie d'un de ses bulletins alors qu'il avait 11 ans. Il était premier partout. Il était indéniablement très brillant. Il n'avait alors pas vraiment de passion. Le travail était son passe-temps favori. Certains disent qu'il était de loin le plus intello de tous les pionniers. C'était peut-être vrai. Il était très individualiste et avait un caractère assez charismatique. Un homme très dur. Il était très dur avec sa famille, il a manié la baguette. Il avait trois filles, il n'a pas eu de fils. Et rendons grâce au ciel, car il aurait été élevé à la dure. Mais néanmoins, ses filles étaient très solides. La Première Guerre mondiale a permis le développement de la firme. Ils ont commencé par la construction de bombardiers lourds, avec pour commencer le 0-100 et le V-1500 pour finir. Ce fut l'un des plus gros biplans jamais construits. Après la Grande Guerre, Handley Page se convertit à l'aviation commerciale. En 1930, ils produisent le HP-42 pour Imperial Airways. C'était l'un des tout premiers avions de ligne au monde. Il transportait ses passagers entre l'Europe et l'Extrême-Orient dans le luxe, le confort, qui, comparé aux conditions de voyage actuelles, semblerait magique. À la fin des années 30, avec la menace grandissante de la guerre, Handley Page commence à produire des bombardiers moyens modernes. L'un d'eux fut le Harrow. Il a permis d'expérimenter la construction de l'appareil en sous-éléments indépendants, réunis au cours de l'assemblage final. Il fut fabriqué trop tôt pour servir pendant la guerre. Le HP Arrow a été suivi par un autre bombardier intermédiaire, le Hampden. Mais il est devenu rapidement évident que la Royal Air Force aurait besoin d'avions plus grands et plus puissants. En juin 1937, Handley Page signa un contrat pour construire deux prototypes de ce qui sera un autre bombardier bimoteur. Ultérieurement, l'avion fut agrandi avec quatre moteurs,
le concepteur du Halifax, George Volkert, penché pour le moteur Bristol Hercule. C'était un moteur en étoile refroidi par air. Mais les Hercule étaient produits réservés pour d'autres avions comme le Short Stirling. La seule alternative possible était le Rolls-Royce Merlin. Handley Page a été plus ou moins forcé d'adopter les moteurs Merlin. Et c'était bien, ils avaient la bonne puissance. Ça fait un plus gros avion, mais néanmoins, ça tombait bien. Mais Volkert n'aimait pas ça. Il n'aimait pas les Rolls-Royce, en ligne, refroidis par liquide, et écrivit de nombreuses notes qui furent largement diffusées et qui disaient à quel point ça ne pouvait convenir. Cependant, nous devions faire avec, il n'y avait rien d'autre. Le nouveau quadrimoteur fut baptisé Halifax. Les spécifications demandaient une charge d'au moins 4 tonnes de bombes. Malheureusement, l'avion, comme pour tous les avions, a grossi et grandi et est devenu très lourd parce qu'il devait emporter beaucoup d'équipements supplémentaires. Il est devenu énorme. Les roues ont donc été agrandies et on ne pouvait plus les rentrer dans les nacelles et ainsi de suite. Le coup de grâce sur les moteurs. Les moteurs qui nous ont été livrés n'étaient pas assez puissants. Le Halifax avait besoin du fin des moteurs Merlin. Mais, comme on ne s'y attendait pas, ceci était réservé aux chasseurs. Donc, nous devions nous débrouiller avec des Merlin moins puissants. Du coup, l'avion était sous-motorisé. C'était devenu un avion médiocre et il avait de nombreuses raisons à cela. Il y avait beaucoup de place. Le fuselage était plus grand que celui du Lancaster, par exemple. Il n'était pas aussi fin qu'il aurait dû l'être. Il y avait plein d'appendices qui causaient beaucoup de traînées, et ça, additionné à la faible puissance, ça donnait de piètres performances à cet avion. En décembre 1938, le Halifax a fait grossir de 20% et avec des ailes encore plus fines. Les moteurs ont été montés tels que l'Hercule aurait dû l'être au milieu des ailes. Malheureusement, les flammes d'échappement étaient visibles depuis l'arrière. Mais comme tout le monde était persuadé que les missions de bombardement seraient faites en plein jour, ça ne dérangeait personne. Le rythme du travail sur l'appareil s'accélérait avec la guerre qui approchait. Moins de 10 ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'ère des biplans. Cette technologie était toute nouvelle. Donc, pour un court moment au moins, le Halifax était aussi gros et aussi moderne qu'un bombardier devait être. La RAF pensa qu'il pourrait être le seul bombardier lourd dont elle aurait besoin. Au début, c'est littéralement terrifiant de voler avec cet engin à 4 moteurs et si gros. Après, je pense que c'est devenu comme une seconde nature. Quand nous sommes arrivés en Angleterre, on nous a demandé où nous voulions aller, sur les bombardiers ou sur les chasseurs. Nous leur avons demandé où il y avait de l'action, car nous voulions faire quelque chose d'utile. Et ils ont dit que les bombardements étaient les seules opérations en cours, que les chasseurs ne faisaient pas grand-chose. Donc nous avons choisi d'aller sur les bombardiers, et la plupart d'entre nous ont fait de même. C'est ainsi que nous avons fini à bord des bombardiers. La première fois que je suis monté à bord d'un Halifax, j'ai été surpris que l'instructeur me fasse asseoir dans le siège du pilote et que lui se place à côté. Je lui ai demandé si j'allais piloter ça, et il m'a répondu « c'est comme ça que tu vas apprendre ». Le 25 octobre 1939, le Halifax vole pour la première fois. Ce jour-là, et ça a été le cas tout au long du processus de développement, probablement personne n'a porté attention à cet avion avec ses dérives en forme de haricots. Le mois suivant, le ministre de l'Air en commande 500. Parmi les bombardiers lourds qui permettent à l'RAF de porter l'attaque au cœur de l'Allemagne, il y a le Halifax, un géant à 4 moteurs du Bomber Command, qui sort en quantité considérable pour le ministère de la production aéronautique par la société Handley Page, réputée depuis la dernière guerre pour ses avions lourds. 3 tourelles Boulton Pole procurent un important armement défensif, une dans le nez, une au sommet du fuselage et une dans la queue. La queue est connue comme la serre de Charlie, le mitrailleur de queue.
Derrière les portes de la soute à bombes, le Halifax peut stocker une quantité de 5,5 tonnes de bombes, ce qui donne à ce monstre un poids en charge maximum de 27 tonnes. Cet engin a des distances de décollage exceptionnellement courtes, en dépit de sa grande taille et de son poids. Quand les gaz sont mis sur les 4 Rolls-Royce Merlin, le Halifax est rapidement en l'air, même lorsqu'il est très chargé. Son autonomie d'environ 5000 km, la moitié de cette distance est déjà un long voyage au sein du pays de M. Hitler. Les bombardiers Halifax ont déjà frappé durement et continueront à le faire contre l'Allemagne à une plus grande échelle encore que ce qu'ils sont capables de faire contre nous. Comme pour le Harrow, de nombreux avions ont été assemblés dans la propre usine de Handley Page à Radlett, près de Londres. Il y avait une quarantaine de centres de production. En tout, 6178 Halifax ont été construits. Et au maximum de la production, des centaines de sous-traitants et 50 000 travailleurs étaient employés. Il y avait plus de familles travaillant pour cette seule entreprise sous le même toit. Je n'en ai connu de toute ma vie. C'est quelque chose quand vous avez une famille entière, de 5 à 6, 7 personnes, la mère, le père, les fils, les filles, les petits-enfants qui travaillent tous ensemble. Aucune pièce n'était fabriquée à Radlett. Tout était à Cricklewood. Tous les sous-traitants dans toute la région, 500 sous-traitants fabriquaient des pièces ici et là. Ils avaient l'habitude de dire que tout avait été conçu de manière à ce qu'un maximum de production, ils pouvaient produire un bombardier par heure. Un bombardier par heure, vous vous rendez compte ? La dispersion de la production était un moyen de s'assurer que, si les Allemands bombardaient une usine, la construction des avions ne serait pas interrompue très longtemps. C'était la manière d'agir d'Handley Page. Ces méthodes avaient été expérimentées avec le Harrow. Cette méthode a eu une conséquence inattendue. Quand les Halifax crachaient, ils cassaient souvent en morceaux entiers. Un nombre surprenant de membres d'équipage ont réussi à sortir entiers de ces épaves. La raison en est que l'avion a été construit vraiment de façon modulaire. Donc, si l'avion touche le sol durement, il tente à se disloquer en suivant ses parties. La plupart des équipages essayaient de se réfugier dans leur propre poste. Ainsi, bien souvent, ils ont survécu. Les équipages avec lesquels j'ai parlé adoraient le Halifax pour sa solidité. Construit comme une brique, c'était sa réputation dans la RAF, un avion vraiment très solide. Ce Halifax a survécu à une collision en plein ciel au-dessus de l'Allemagne et a réussi à revenir à sa base. Je me souviens vraiment bien. Une fois, en revenant après un raid en Allemagne, nous avons été engagés par la DCA au Danemark qui a réussi à nous toucher. Nous avons perdu 2 moteurs avant de parvenir à traverser la Manche. Nous perdions de l'altitude puisque nous n'avions plus que les 2 moteurs de gauche. Et nous sommes parvenus à atterrir sans les roues, sans les volets, en coupant les moteurs et à la toute dernière minute alors que nous nous posions. L'avion a survécu pour nous sauver la vie. Nous avons évacué cet appareil. Il était totalement détruit, mais il avait tenu uniquement pour sauver nos vies. L'aircraft a survécu au moins assez pour sauver toutes nos vies. We stepped out of the plane and the plane was an absolute total loss, but it survived, it saved our lives. La première mission de combat du Halifax fut une attaque contre le Havre le 10 mars 41. Des 7 appareils envoyés, un fut abattu par un chasseur de nuit de l'RAF alors qu'il revenait en Angleterre. 2 jours plus tard, le Halifax devint le premier bombardier quadrimoteur à attaquer l'Allemagne. En septembre, arriva le baptême officiel. Une nouvelle étape dans la production des avions britanniques a été atteinte quand Lord et Lady Halifax ont visité une usine aéronautique pour baptiser le bombardier lourd Handley Page Halifax. Je souhaite à cet avion
et à ses congénères le succès et bonne chance à tous leurs vaillants équipages. Après avoir été baptisé avec une bouteille, le monstrueux quadrimoteur quitte le hangar et circule autour de l'aérodrome. Comme Lord Halifax l'a fait remarquer, la puissance et le long rayon d'action de cet avion rappellent les mots de l'ancienne prière du Yorkshire. The Hull, l'enfer, Halifax, Dieu délivre-nous. J'espère, dit-il, que le temps est bientôt venu pour que cette prière soit constamment sur les lèvres des Allemands et des Italiens. La production d'Halifax s'accéléra et devint particulièrement intensive. Si vous étiez ajusteur, vous étiez supposé être capable de faire n'importe quel ajustage. C'était logique. Si vous étiez ajusteur, de pouvoir ajuster n'importe quoi. Normalement, vous étiez affecté à un ou deux boulots. Mon travail principal sur le Halifax, c'était les hélices. Et parce que nous avions trois chaînes de production, nous avions 12 hélices à installer chaque jour sur trois avions différents. Nous n'étions que deux ajusteurs, l'un s'occupait du côté bâbord, l'autre de tribord, et nous faisions l'installation complète. Fin 1941, des Halifax attaquent le cuirassé Tirpitz. L'un d'entre eux fait un atterrissage forcé sur un lac gelé en Norvège. Il passe à travers la glace, coule et repose au fond du lac. Il a été récupéré en 1973. Il est exposé au musée de la RAF à Hendon. C'est le seul exemplaire des premières versions du Halifax qui reste. Il est présenté tel qu'il reposait au fond du lac, comme une stèle. Les Canadiens du Bomber Command volaient généralement sur Halifax. Mais aucun avion n'a été préservé au Canada. Cela n'a pas empêché la Halifax Aircraft Association de tenter d'en trouver un. Comme cela s'était déjà passé, un Halifax était également écrasé dans un lac norvégien en 1945. Un garçon nommé Tore Marso avait entendu l'accident. Plus âgé, il a commencé à chercher l'avion. Ils ont dragué le lac, mais sans succès. Ils pensaient qu'il serait près des berges, là où le mitrailleur de queue était trouvé. Plus tard, ils ont réussi à s'équiper d'un sonar et ont localisé l'avion au milieu du lac. Sur l'image du sonar, ça ressemblait bien à Halifax, qui se serait posé, prêt à redécoller, si ce n'est qu'il manquait la queue. Un de nos membres était Carl Karsgaard, pilote pour Canadian Airlines, et qui avait fait quelques recherches à l'Imperial War Museum. Il avait trouvé qu'il y avait un Halifax au fond du lac Mjøsa en Norvège. Nous lui avons dit, OK, voyons si nous pouvons récupérer cet avion, voyons si nous pouvons le renflouer et le ramener au Canada. Après la queue, il nous a fallu au moins 3 mois pour récupérer le reste de l'avion. C'était vers juillet-août 1995. Le reste de l'avion a demandé un petit peu plus de temps. L'avion était à une profondeur de 250 mètres. C'était une pêche en eau profonde. Le bombardier était perdu à la fin de la guerre. Air Marshal Harris, CNC Bomber Command. Les nazis sont entrés dans cette guerre avec l'illusion puérile qu'ils vont bombarder tout le monde et que personne ne va leur répondre. Il y a beaucoup de monde qui déclare que le bombardement ne peut gagner une guerre. Ma réponse, c'est que personne n'a jamais essayé et qu'on verra bien. Quand Arthur Harris reçut le commandement du Bomber Command, il prit soin d'Halifax. Il pensait que c'était la plus belle invention que l'on ait jamais faite.
Comme sur le Lancaster, les lueurs d'échappement du moteur Merlin du Halifax étaient visibles. Mais la différence du Lancaster, elles étaient visibles depuis l'arrière. Les échappements arrivent au-dessus de l'aile. Et forcément, quand on regarde depuis l'arrière, ils sont très visibles. Et ça a demandé un gros travail pour essayer de trouver de nouveaux échappements qui pourraient atténuer la flamme et réduire sa visibilité. Malheureusement, ça signifiait que les trucs, là, devaient être gros. Et plus ils sont gros, et plus ça provoque de traînées. Nous avions essayé des parois de protection résistante à la chaleur, mais ça renversait le flux, juste derrière, à tel point qu'un tiers de l'aile ne portait plus. C'était désastreux, à tout point de vue. Sur le Halifax, quand j'étais dessus, ils ont fait évoluer les Rolls-Royce Merlin, lesquels, lorsque nous décollions et que nous étions en l'air depuis quelques minutes, ces choses-là, les échappements de chaque côté du moteur rougeoyaient brillamment. Et n'importe quel chasseur de nuit, s'il était au-dessus de vous et regardait vers le bas, pouvait vous voir à 10 km. Dans certains cas, vous voyez les 8 flammes des échappements dans la nuit et rien d'autre. Lorsque vous le savez, vous montez jusqu'à ce que vous soyez à 200 ou 300 mètres de là. Et là, vous voyez une grande ombre. Et aussi les 4 moteurs, et puis la queue. Mais vous n'avez pas le temps de fixer très longtemps la profondeur et la dérive. 4 moteurs, c'est forcément un Lancaster ou un Halifax. Il n'y a plus qu'à le descendre. Mais dans les hautes sphères du Bomber Command, l'étoile du Halifax pâlissait. Une nouvelle étoile était apparue dans le ciel. Le Lancaster fait ses débuts en mars 1942. Le Lancaster pouvait voler plus haut et emporter plus de bombes que le Halifax. Il était tout nouveau. Il était glamour et à certains yeux plus joli. Un rêve devenu réalité. C'est un peu comme l'histoire du Spitfire et du Hurricane. Le Spitfire était sous la lumière des projecteurs, tandis que le Hurricane, lui, faisait tout le sale boulot. C'était la même chose pour le Halifax et le Lancaster. Le Lancaster s'est retrouvé sous les feux de la rampe et la propagande y est pour beaucoup. Elle pouvait dire qu'il était le meilleur avion du monde parce que, après tout, lui aussi bombardait l'Allemagne. Nous avions l'habitude, bien sûr. Nous devions juste ne pas nous occuper de ces choses. Eric Hockey a piloté des Halifax pendant la guerre. Et c'est la première fois qu'il revient à bord depuis 60 ans. Oh, je suis soufflé. Oh, je suis de l'huile, n'était pas de trop sur les commandes et les câbles de vos contrôles. Ça, c'est la poignée de gaz. Moteur 1, 2, 3, 4. 800. Take off. Décollage, plein gaz, plein gaz. C'était brillant. Ah, vous auriez aimé cette sensation. On gardait les freins serrés jusqu'à ça tire et on relâchait. C'était parti. Une fois envolé et au début de la montée, on poussait un soupir de soulagement, car c'était le moment le plus dangereux, surtout avec les bombes à bord qui rendaient l'avion très lourd. Et ça montait vraiment doucement. Le Halifax n'avait pas beaucoup de plafond. C'était pas un mauvais plafond, mais c'était sous les 20 000 pieds. Nous exécutions nos missions à 17 ou 18 000 pieds. Pendant que vous grimpiez, le navigateur vous donnait la route à suivre, et après, c'était à nous de jouer. L'idée était toute simple. Si vous voyez un bombardier quadrimoteur,
Alors, on fonçait pour le descendre en tirant entre les moteurs, là où était le fuselage. C'est là qu'il fallait faire feu. Les gars pouvaient ne pas en réchapper. C'était l'idée, aucun doute à ce sujet. Vous deviez y aller directement si vous reconnaissiez un quadrimoteur. Si c'était un Halifax ou un Lancaster, ça ne faisait aucune différence. C'était un quadrimoteur. Il fallait attaquer directement, vite, et dégager jusqu'à ce qu'il brûle. Quand vous arriviez près de la cible, vous deviez maintenir l'altitude pour que le bombardier prenne le contrôle de la direction. Il vous disait quoi faire, ralentir ou accélérer, aller un peu à droite ou à gauche, ou rester sur la trajectoire, vers les marqueurs des Pathfinders, les éclaireurs. Et vous gardiez la trajectoire. Et il vous disait, ok, ok, comme ça, tout doux, tout doux. Et ensuite, il disait, bombe larguée. Et vous pouviez faire enfin ce dont vous aviez envie. Généralement, on fermait les portes de la soute à bombe et on mettait plein gaz, aussi à fond qu'on le pouvait, et on tentait de sortir de cet enfer. Le Halifax était lent et volait bas. Et c'était une proie facile. Mais nous ne devions pas y penser plus que ça. Plus tard, dans les derniers temps de la guerre, nous rencontrions surtout des Lancasters. Mais au début, je me souviens que c'était surtout des Halifax. Et les pertes ont commencé à augmenter. Les problèmes du Halifax atteignaient un niveau inquiétant. Dans une note pour Churchill, son conseiller scientifique écrivait: ces avions ont subi de lourdes pertes et elles ont récemment augmenté. En avril, ce taux a triplé pour atteindre plus du double du taux de pertes de n'importe quel autre avion ce mois-ci. Signé Cherwell. Je ne suis plus sûr du moment auquel la controverse sur les mérites respectifs du Halifax et du Lancaster a débuté. C'est clair, quand on lit la documentation provenant du commandant du Bomber Command, qu'ils avaient initialement pensé que le Halifax aurait dû être le sauveur. Et en fait, en 1939, le ministre de l'Air pensait que le Halifax serait le seul bombardier lourd anglais. À partir de 1942, il devient clair que lorsque Sir Arthur Harris prend le commandement du Bomber Command, il n'était pas du tout satisfait du Halifax. Il pense qu'il ne répondait pas aux attentes. La section de recherche opérationnelle vérifia ses plaintes à la Mi-42. Nous pensons que la majorité des pertes de Halifax, comparées aux autres types d'appareils, est due à l'action de l'ennemi, selon toute probabilité à ses chasseurs. Voici quelques suggestions concernant les origines de ces lourdes pertes. Petit A, les escadrons de Halifax peuvent avoir une proportion d'équipage inexpérimenté. Petit B, la plus grande visibilité des échappements du Halifax, parfois visible à plus de 300 mètres, directement vers l'arrière, permettent aux chasseurs d'attaquer plus facilement. Petit C, il y a des doutes concernant la stabilité du Halifax lorsqu'il effectue des manœuvres évasives à pleine charge. À l'automne 1942, apparaît la version Mark II, série 1. Les bombardements n'étaient plus seulement effectués de nuit. La tourelle avant, qui n'était pas indispensable, a été remplacée par un carénage. L'ancienne tourelle dorsale a été remplacée par une plus petite pour réduire la traînée. L'avion a perdu quelques appendices et a commencé son évolution vers son allure définitive. Aucune de ces mesures n'a amélioré le plafond du Halifax, mais elles ont rendu possible de l'engager dans d'autres opérations de guerre. À l'été 42, 16 Halifax furent envoyés en Égypte, où ils participèrent aux attaques contre Rommel et l'Afrika Korps. Ainsi que l'ont démontré des essais ultérieurs,
Le Lancaster était plus délicat et pas du tout adapté au climat chaud. Avec quelques modifications, l'Halifax, lui, s'est parfaitement comporté dans la chaleur et le sable. Les Halifax continuent leurs attaques dans tout le désert. Ils opèrent à partir de bases en Palestine et en Égypte. Ils ont même été engagés dans des missions d'attaque à basse altitude contre l'Afrika Korps en pleine retraite. Sur le théâtre d'opérations méditerranéen, les Halifax ont rapidement prouvé leur polyvalence. En juin et en juillet 1943, les Halifax ont remorqué les gros planeurs Orsa pour l'invasion de la Sicile. Dans le désert, ils étaient accompagnés par un autre avion célèbre, le B-24 Liberator américain. Je pense que c'était comme pour le Liberator dans l'US Army Air Force. Le Liberator n'avait pas la même réputation envieuse que le B-17, et petit à petit, ses idées reçues ont grandi au point de devenir légende. Harris n'aimait pas Handley Page, au moins à partir de 1942, et il y a un document qui montre clairement que Handley Page était lent à intégrer ou appliquer certaines modifications sur le Halifax. Harris écrivit au chef d'état-major, ainsi qu'à Sir Wilfrid Freeman, responsable des approvisionnements, disant que si on était en Russie, Sir Frederick Handley Page et son équipe auraient été alignés contre un mur et fusillés. Il avait le sentiment que Handley Page était très lent, presque léthargique et peut-être pas vraiment intéressé pour effectuer les modifications qui étaient demandées. Est-ce un conflit d'ego? Était-ce une manière d'exprimer sa déception? Je ne suis pas vraiment sûr. Mais de façon certaine, ses textes au vitriol le montrent. Il n'aimait pas l'homme, pas plus qu'il n'aimait sa compagnie. Dans une note célèbre, Harris écrit au ministère de la production aéronautique. Mes amis, le Halifax pue, comme vous dites justement. En conséquence, il me semble que les problèmes principaux du Halifax sont liés à sa forme, à la section de son aile et à la position de ses moteurs. Si cela se confirme, je me demande s'il ne serait pas possible de convertir le Halifax en Lancaster en redessinant entièrement l'aile du Halifax dans des proportions plus ou moins similaires à celles du Lancaster. Si une telle modification est possible, nous devons littéralement obtenir un autre Lancaster sans avoir à tout refaire. Il pensait que le Halifax était la plus belle invention que l'on puisse imaginer jusqu'à ce qu'il touche ses premiers Lancaster et qu'il se mette alors à penser que le Halifax était la pire de toutes ses inventions. Pour les équipages du Halifax, non merci. J'étais très content sur Halifax. C'était un bon avion et vous ne trouverez pas un autre membre d'équipage qui serait en désaccord avec moi. On était tous pour le Halifax. Le sauvetage du NA-337 a été effectué par une société norvégienne de travail sous-marin spécialisée dans la récupération. L'essentiel du travail a été fait par un ROV, Remote Operation Vehicle, un sous-marin téléguidé. Il a surveillé l'épave de l'avion, a aidé à attacher le système de renflouage. La profondeur a entraîné problème sur problème. Le ROV a été endommagé par la foudre pendant un orage. Il s'est emmêlé dans le système de renflouage et a dû être secouru par un autre ROV. Mais finalement, l'équipage était capable de ramener le Halifax sur la plage. Je me rappelle comment il est arrivé sur la plage. On a vu d'abord le bout de l'hélice tribord qui avait été mis en drapeau au moment de l'atterrissage. Puis on a vu les contrepoids des ailerons et le fuselage de l'avion est sorti avec ses moteurs et ainsi de suite. C'était vraiment émouvant.
Je me tenais alors sur une embarcation et j'ai pu embrasser l'avion. J'étais aussi proche que ça. Il fallait se glisser au milieu du flot de bombardiers. Et lorsque vous y arriviez, vous aviez une chance, non seulement d'en abattre un, mais bien plusieurs. Mais vous deviez être rapide, car ces gars-là regardaient aussi dehors. Eh bien, celui qui voit le premier, tire le premier. Le raid était de plus en plus concentré. Quelquefois, nous avions jusqu'à 600 avions qui attaquaient la même cible en 40 ou 45 minutes. C'était vraiment dense. Un des avantages pour nous, bien sûr, c'est que les artilleurs anti-aériens, au lieu de se concentrer sur vous, essayent de tirer sur tout le monde. Donc ça diminuait l'intensité de la flak à laquelle vous étiez confronté. Vous pouviez voir la ville et les projecteurs de recherche de très loin. Mais quand vous approchiez d'eux, votre bouche devenait sèche et la peur de ce qui pouvait survenir vous prenait. Mais on avait fait tout ce chemin pour faire quelque chose. Et que pouvions-nous faire d'autre ? Vous regardez à votre gauche et vous voyez votre allié pris dans les lumières des projecteurs et toutes les lumières convergées vers lui, ce qui signifiait qu'il ne faisait plus attention à vous. Merci mon Dieu. Même si c'était mauvais signe pour votre allié d'être ainsi pris par la DCA, ça vous laissait à vous une chance. Mais Bomb Harris était toujours mécontent du Halifax, spécialement contre une caractéristique de l'avion, comme il l'écrivait au ministère de la production aéronautique. Et il n'y a pas le moindre doute que les mauvaises qualités de vol du Halifax tuent un grand nombre de nos équipages, qui autrement ne seraient pas absents des opérations. Les enquêtes ont montré que plus de la moitié des pertes de Halifax surviennent lorsque les équipages sont engagés dans leur première, deuxième ou troisième mission. Le problème est bien sûr qu'aussitôt qu'ils maîtrisent la machine, ils se font descendre ou en perdent le contrôle. Une des raisons principales de ces nombreuses pertes est la forme de la dérive, avec une grande gouverne de direction. Quand un pilote engage une manœuvre violente, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Si vous considérez le vent relatif qui s'écoule autour de l'avion lorsqu'il se déplace dans l'air, la glissade signifie que l'air arrive de cette direction et vous pouvez le faire avec un avion en braquant la gouverne de direction. Si vous voulez échapper au projecteur de la flak ou au chasseur, la tactique habituelle est de mettre beaucoup de direction, de pied, baisser une aile et partir en rotation. On part en piqué, la vitesse grandit, et il se trouve que le flux d'air contre la dérive peut la briser, parce que le phénomène de dérapage se développe dans ces conditions. Et quand le flux d'air casse la dérive, l'équilibre s'en va, et le pilote s'aperçoit qu'il ne peut plus centrer le palonnier et qu'ils sont juste bloqués en vrille jusqu'à ce qu'il percute le sol. Il y a au moins 20 histoires de ce genre qui ont été enregistrées en conditions de combat. Vous développez une nouvelle psychologie et, comme on peut s'y attendre, de la superstition. Je peux vous donner un très bon exemple. Je pense que tous ceux qui volaient emportaient un porte-bonheur. Ça pouvait être un bas de femme, ça pouvait être quelque chose comme une amulette, un talisman, quel qu'il soit. Je sais, je l'ai fait. J'avais un foulard de soie, j'avais aussi un petit pistolet que j'emportais. C'est ce genre de choses que nous emportions tous, quelque chose, et nous n'en démordions pas.
Vous emportez quelque chose au premier vol, au deuxième, au troisième et au 43e si nécessaire. Je crois qu'il s'agissait d'une mission sur camp et on nous a appelés très tôt et on n'était pas tout à fait prêts. Tout d'un coup, j'ai dit, oh, j'ai oublié mon flingue, j'ai oublié mon foulard. Et Chester, qui savait bien de quoi il s'agissait, a dit, « Ok, bon Dieu, retourne les chercher. » Et il était sérieux. Le truc le plus marrant, c'était celui de mon opérateur radio. Il avait toujours les dessous de sa copine avec lui. Il les accrochait au-dessus de son poste de radio et il le faisait à chaque fois. Je n'ai jamais réussi à savoir s'il s'agissait des dessous de la même fille à chaque fois. J'ai fait deux missions sur la Ruhr avant d'être affecté au nouveau 434e squadron. En tant que second pilote, j'étais sûr que c'était la fin du monde, ou bien que ça allait bientôt l'être. Car deux missions sur la Ruhr, de plus, j'étais sûr qu'on serait descendre, qu'on serait pris par les projecteurs de la FLAC et que l'enfer allait se déchaîner et que je ne survivrais pas à ça. Et à ma grande surprise, j'ai survécu. Au-dessus de la ville, c'était l'enfer. Il y avait les bombardiers anglais, 20, 30, 50 ou plus parfois. Et vous aviez 10 chasseurs allemands monomoteurs et les mosquitos. Et tout le monde tirait sur tout le monde. C'était comme l'enfer, c'était terriblement agité. Ce genre de vol était très excitant. Et vous étiez toujours très heureux de dégager de la cible. Si content, je veux dire que vous vous sentiez vraiment léger. Vous pensez, ça y est, c'est fini. C'était pas vrai, mais c'est ce que vous ressentiez. Nous étions en train de rentrer à la base un jour, et nous avons vu un bombardier qui était accroché par des projecteurs et qui était, du coup, attaqué par les chasseurs. Au-dessus du Danemark. Oui, au-dessus du Danemark. Donc il a piqué. Je suis sûr qu'il avait bien joué, mais il a du mal s'orienter. Il a fait demi-tour. Il est revenu directement vers eux et il s'est fait descendre. En octobre 1942, le Halifax Mark V a été mis en service. Paris était un peu dur en disant « je le veux maintenant ». Mais d'un autre côté, je me rappelle avoir lu que Sir Frédéric disait « nous savons comment faire ces avions, dites-nous juste combien vous en voulez ». Fin de la discussion. Et je pense que ce fut un obstacle pour les ingénieurs pour améliorer l'appareil. C'est mon sentiment. Henley Page a fait quelques très bons changements, je pense. L'un d'eux en particulier. Quand il en arriva aux tourelles motorisées à bord de l'avion. Henley Page a pris l'initiative d'enlever le Mark 1 et je pense le 2. Et il mit le Perspex avec le VGO devant et une seule mitrailleuse. Oh. Le problème de décrochage de la direction fut résolu par la nouvelle forme de la dérive. Le Mark 5 avait aussi les nouvelles et plus fines tourelles à mitrailleuse. Mais tous les Mark V avaient un nouveau et plus sérieux défaut. Parce qu'il fallait construire beaucoup de Halifax, on s'est aperçu que la société Messier n'était pas capable de fournir autant de trains d'atterrissage. La décision a été prise de confier la fabrication du nouveau train d'atterrissage et de son système hydraulique à la société Doty, qui a produit une version tubulaire de ce train. Et bien que ce système fût pratique, il n'était malheureusement pas aussi solide que l'ancien train. De plus, on a découvert qu'il ne pouvait supporter autant de poids, donc la charge de bombe a été sévèrement réduite, et du coup, l'avion a été retiré des missions de bombardement. And it was found that you couldn't get enough weight into the aeroplane, and so its bomb load was severely reduced, and therefore it was withdrawn from bombing.
et il était encore équipé des Merlin pas suffisamment puissants. L'altitude maximum que j'ai été capable d'atteindre avec un Halifax chargé, c'était 18 000 pieds. Et beaucoup d'autres étaient au-dessus de nous, bien au-dessus. Nous ne pouvions pas monter plus haut, même si nous le voulions. Les Halifax 2 et 5 avaient un plafond d'environ 18 000 pieds. Et la nuit, en fonction de la charge de bombe, ils volaient entre 16 et 18 000 pieds. Le Lancaster et le Halifax 3 étaient capables de voler 2 à 3 000 pieds plus haut. Les chasseurs de nuit allemands n'étaient pas stupides. Il était plus facile de trouver un avion qui vole plus bas que soi, et le plus bas vous volez, le plus vulnérable vous vous trouvez, au tir fratricide ou bien en étant touché par une bombe larguée de plus haut. C'est arrivé au retour de Peenemünde. J'ai pris une bombe sur l'aile, une de ces petites bombes, et la petite hélice qui sert à les armer a rebondi sur l'aluminium. Et nous avons réussi malgré tout à rentrer vivants. Merci. C'est de la chance. Oui, oui, de la chance. Ouais. Avoir un Lancaster 8000 pieds au-dessus, c'est pas très marrant. Non, vous ne pouviez pas faire marche arrière. Une douzaine de militaires de l'aviation canadienne étaient à l'œuvre pour nettoyer et emballer le NA-337. Il a fallu 4 C-130 pour le ramener au Canada. Et là, le département de l'agriculture a inspecté les morceaux du Halifax pour s'assurer qu'ils étaient suffisamment propres pour être exposés dans le hangar à Trenton. L'avion a été complètement démonté, déshabillé, nettoyé et protégé contre la corrosion, puis réassemblé. Ça a pris 2 ans et demi juste pour mettre l'avion à l'abri, enfin, l'essentiel des pièces. Les moteurs ont pris plus de temps que ça. Les moteurs ont demandé 3 ans et demi. L'autre problème était que beaucoup de morceaux avaient été perdus, endommagés ou détruits pendant le crash. Quand l'avion s'est écrasé, il s'est brisé en deux. Et cette partie-là a été détruite et elle est manquante. On l'a pris donc en deux morceaux. La section arrière et la section avant. Et il y avait environ 10 mètres qui manquaient. Et nous nous demandions si nous serions capables de le reconstruire à partir de rien. Et nous aurions dû le faire à partir des plans. De l'aide arriva d'Angleterre, d'une association 57 Rescue, un groupe historique et de récupération de Halifax qui se consacre à la mémoire de cet avion et à celle des hommes qui avaient volé dessus. 57 Rescue est né en 1997 et un petit peu avant, en 1995, NA-337 était récupéré et très peu de temps après, j'ai découvert avec Internet que cet avion était alors au Canada. J'ai pris contact avec un équipage canadien et je leur ai demandé si je pouvais leur être utile. Entre autres choses, 57 Rescue savait que des restes d'un Halifax se trouvaient sur l'île de Lewis, en Écosse. Et donc, nous sommes allés à Stornoway et nous avons fait quelques recherches avec quelques amis. Et après un sacré travail et beaucoup de recherches sur le chemin autour des petites fermes, nous avons enfin trouvé des morceaux de fuselage du NA-142. On a regardé ça avec Cal Karsgaard, qui est venu du Canada spécialement, et nous avons conclu que c'était exactement ce dont nous avions besoin pour la restauration. Avec l'aide de l'équipe de rugby de Stornoway, nous avons récupéré la partie du fuselage dont nous avions besoin. Nous l'avons ramené à l'aérodrome de Stornoway et ensuite transporté jusqu'au Canada. Ce que nous avons fait, c'est de prendre la partie manquante, de la mettre en place et de la reconstruire. Ça a été possible car l'avion qu'il y avait là-bas venait de la même usine que cet avion et donc a été fabriqué selon les mêmes méthodes. Donc tout ça s'est emboîté facilement. C'était à partir du longeron 38 jusqu'ici, approximativement, toute cette partie-là était manquante. Alors que la plupart des Halifax lâchaient leur charge mortelle sur l'Allemagne, le ministère de l'Air décide de tirer avantage de la construction solide de l'avion.
L'autre chose que le Halifax possédait et que le Lancaster n'avait pas au début de sa carrière, c'est l'espace de quelques mètres carrés à l'arrière de la soute à bombes, qui est isolé à l'arrière et peut être utilisé pour plusieurs fonctions. On l'a utilisé pour l'antenne du système radar, le H2S. On l'a utilisé également pour emmener les parachutistes qui pouvaient emprunter une trappe et sauter par là. Entre autres choses, les Halifax étaient utilisés pour des missions pour le compte du service des opérations spéciales. En une seule opération, Halifax a livré une panoplie complète de matériel logistique. Les Halifax deviennent également l'épine dorsale du service de météorologie maritime, ainsi que l'une des plus mortelles armes du Coastal Command, harcelant les navires ennemis. En mai 1943, les Halifax ont coulé 5 U-boats dans le golfe de Gascogne. Leur mission principale restait cependant le bombardement. Ils ont été engagés dans les balbutiements de la guerre électronique. Le Halifax en particulier, gros avion au fuselage large et spacieux, a pu être doté de toutes sortes de boîtes noires. Il y en a eu beaucoup. Une servait pour le renseignement, une autre qu'on appelait Mandrel, je crois, transportait un système de brouillage dédié à la neutralisation des radars d'approche allemands et leurs radars de veille aérienne. N'importe quel progrès technique pouvait être utile pour contrer les formidables défenses allemandes. Vous n'aviez pas la possibilité d'avoir le plaisir de voler. Vous aviez peur d'être touché par la flaque ou accroché par les projecteurs. Souvent, on a vu des avions pris par les projecteurs, un gros, et ensuite, 4 ou 5 arrivaient. Et on y voyait comme en plein jour. Tout le monde pouvait vous voir alors. C'était pas très agréable. Donc vous tentiez de les décrocher en tournant et en piquant. Tout ce que vous pouviez faire, c'est manœuvrer pour échapper à ces lumières. Et si vous y arriviez, vous étiez sauf. J'ai vu un de ces gars illuminé devant moi. J'ai compté 10 secondes et j'ai vu 3 explosions. Et puis tout d'un coup, c'est tout illuminé, comme en plein jour, autour de moi. Donc j'ai piqué et fait exactement ce qu'on vient de dire. Mon mitrailleur arrière a eu les tympans crevés, mes oreilles semblaient vouloir exploser. Je ne pouvais pas les entendre crier parce qu'ils tentaient de compenser la décompression. On est descendu de 6 à 7 000 pieds et les lumières nous ont lâchés. Et je suis là. On a vu souvent des avions pris dans les lumières et se faire descendre. Et on remerciait Dieu, ce n'était pas nous. Juste Dieu, merci, ce n'est pas moi. On ne peut rien y faire. On avait un job à faire et on le faisait. Et vous aviez peur de cet enfer. Personne ne peut dire qu'il sera courageux face à un truc comme ça. Vous aviez juste à le faire. J'en ai vu faire des loopings au-dessus de Berlin pour les décrocher. Ils faisaient ça pour que les lumières ne puissent plus les suivre. Je les ai vus tenter de le faire à tout prix. Et nous, les pilotes allemands, étions également gênés par nos propres projecteurs. C'est un sentiment étrange, parce que tout d'un coup, vous étiez en pleine lueur, et tout le monde vous regarde et vous tire dessus. Voici le Mark III. Structurellement, il est identique au Mark V, sauf que tous les Mark III étaient construits avec le train d'atterrissage approprié et les dérives en forme de D. Et par-dessus tout, il était équipé du puissant moteur à refroidissement air que les ingénieurs qui ont conçu l'Halifax réclamaient depuis le début. Il a fallu attendre le Mark III pour avoir un moteur décent. Et ce moteur, c'était le Bristol Hercule, 14 cylindres en étoile. Non pas alignés ainsi, mais 14 cylindres qui travaillaient ensemble pour que l'avion puisse voler. Et le Halifax pouvait être enfin comparé aux meilleurs avions, puisqu'il pouvait atteindre 24 000 pieds, comme les Lancaster. «
Le Mark III était capable de tout transporter, sauf les bombes les plus lourdes. Mais mieux encore, les échappements des moteurs Hercule ne pouvaient plus servir de repère pour les chasseurs de nuit allemands. Le Halifax pouvait enfin montrer qu'il était un atout maître pour la RAF. Lors du débarquement, le Halifax remorquait les planeurs Orsa qui servirent à capturer les points qui ont permis de sécuriser les flancs des têtes de pont en Normandie. À Arnhem, ils ont remorqué 93 planeurs, y compris les énormes Hamilcar. Et pendant l'opération Varsity, la traversée du Rhin, il fut le seul avion capable de remorquer le Hamilcar. Harris ne fut pas impressionné pour autant, mais l'arrivée du Mark III améliora les résultats opérationnels du Halifax de manière spectaculaire. L'unité de recherche opérationnelle rechigna cependant à confirmer cela en janvier 1945. Les efforts pour améliorer la vitesse et l'altitude opérationnelle du Halifax ont eu pour conséquence de réduire les taux de perte pour arriver approximativement au même niveau que le Lancaster. Un Lancaster a la réputation de valeur 3 Halifax, les améliorations portées ont rendu ces différences moins marquées. J'ai toujours eu confiance dans le Halifax. Je pense que c'était un bon et robuste avion. Il encaissait bien les dommages dus au combat, il encaissait aussi bien que le Lancaster, et je pense mieux que le Lancaster pour les dommages sévères de la flak et de la chasse. Nous ne savions rien de la fiabilité du Halifax quand on a commencé dessus. Mais plus nous connaissions l'avion, plus nous l'aimions car il était vraiment solide. Il allait où vous vouliez, comme vous vouliez. Je n'ai jamais essayé d'en mettre un sur le dos. J'en ai mis un en vol sur la tranche et il restait bien maniable. La chose que j'aimais à propos de cet avion-là, c'est qu'il était confortable, y compris dans le poste du mitrailleur de queue. Je pouvais presque voler en portant mes vêtements civils. Bien sûr, je pouvais porter la tenue lourde, mais il faisait suffisamment chaud à l'arrière dans la queue pour que ce soit confortable. Et je n'étais pas encombré par tous les vêtements nécessaires pour ma protection, comme quand j'étais sur Lancaster, où on gelait de partout. Je ne suis pas nécessairement d'accord sur la chaleur du Halifax. Non, j'ai même du givre qui m'est tombé dessus une nuit. Ok, vous pouvez expliquer ça comme ça. Des fois, ça se passait comme ça, je comprends. Comme le poste de mitrailleur dorsal était toujours glacé. Vous aviez une tenue de vol chauffante. Je ne l'ai jamais portée dans un Halifax. Mon mitrailleur, si. Moi également. C'est vrai? Pas moi. Et je portais des bottes également. À 22 000 pieds, vous êtes à moins 30 ou à 40, quelque chose comme ça. Mais combien de fois vous étiez à 22 000 pieds? Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que ce n'était pas une obligation, mais que ce n'était pas la faute de l'avion. À chaque fois qu'on voulait le faire, on le faisait. La qualité de la construction du Halifax n'était pas un mythe. Le Halifax avait deux avantages. Il avait une trappe vers l'arrière qui pouvait être ouverte pour l'évacuation de l'équipage. Celle du Lancaster était plus petite et beaucoup plus étroite. Il était vraiment difficile, et je l'ai testé moi-même, de monter par-dessus les longerons qui traversent l'intérieur d'un fuselage de Lancaster pour remonter la longueur de l'avion. Et si l'avion était dans les turbulences, c'était absolument impossible. Si vous étiez abattu dans un Halifax, vos chances de survie étaient assez grandes. La polyvalence du Halifax était rendue évidente par sa transformation en avion cargo. Une centaine d'exemplaires d'une version de transport fut construite avec une nacelle sous le fuselage. En 1944, le Halifax 7 fait ses débuts. Les bouts des ailes ont été allongés et arrondis.
Construit principalement pour le support des opérations au sol, une trappe pour larguer le matériel a été ajoutée et la tourelle dorsale enlevée. À l'hiver 1944, on l'adapte au transport du canon de 10 livres et d'une Jeep dans la soute à bombes. Des essais furent menés pour savoir si les deux pouvaient être parachutés correctement. Ces essais eurent des résultats mitigés, mais au moins la Jeep en réchappa. Un des cinq principaux centres industriels qui assemblaient le Halifax était le London Aircraft Production Group à Leavesden. En avril 1945, ils livrèrent le dernier exemplaire des 710 avions construits ici et comme adieu, il effectua un passage de démonstration pour les ouvriers. Pendant la foule, le gracieux appareil glisse au-dessus de leur tête, montrant le résultat glorieux du travail de leurs mains. Après la guerre, le Halifax resta en service dans la RAF jusqu'en 1952. 12 furent convertis en avions de ligne renommés Halton. Des avions convertis en cargo participèrent au pont aérien de Berlin, mais pendant les années 60, la plupart disparurent dans des parcs à ferraille ou furent transformés en boîtes de conserve. Les seuls survivants étaient à l'abri, mais bien cachés, là où on ne s'attendait pas à les trouver. L'un d'eux était le NA-337. Il avait été descendu le 21 avril 1945, deux semaines avant la fin de la guerre en Europe, après avoir largué du matériel à destination de la résistance norvégienne. Nous estimons qu'il était probablement à 1,5 km de son itinéraire et qu'il est malheureusement passé au-dessus du pont qui traverse le lac Mjøsa, juste au nord d'Oslo. Il y avait une batterie de DCA sur ce pont. Ils ont vidé un chargeur et touché l'aile droite du NA-337. Le pilote a pensé qu'un moteur avait été touché puisque l'aile était en feu. Il a passé le moteur droit en drapeau, mais le feu a continué, car il s'est avéré que le réservoir d'essence était rompu. Nous estimons qu'il avait volé environ 5 minutes avant de se retrouver en position d'amérissage. Il volait vers le nord, vers la ville de Habar, puis a viré vers le sud et effectué un amérissage contrôlé sur le lac. C'était une bonne manœuvre, vu les circonstances. La queue toucha la première et se brisa, ce qui était prévisible. L'avion a dû flotter entre 5 et 10 minutes au moins. Nous savons que 5 des 6 membres d'équipage ont évacué. Le mitrailleur de queue, Tom Waitman, fut assommé par l'impact de l'accident. Il revint à lui lorsque l'appareil s'est enfoncé dans l'eau et s'est libéré de son harnais. Finalement, il réussit à libérer son canot de sauvetage, mais qui se retourna. Tom grimpa à bord et rama tout seul à travers la nuit. Le reste de l'équipage, lui, succomba à l'hypothermie. Tom Waitman fut arrêté par les Allemands, mais relâché deux semaines plus tard, lorsque la guerre prit fin. Il a fallu 50 années de plus pour que l'avion soit relâché à son tour. J'ai dit à ma femme que ça prendrait 2 ans. Ça fait 9 ans de ça. Et vous pouvez voir autour de vous ce qui se passe. Lorsque tout le métal aura été redressé et que les moteurs feront entendre leur bruit, nous pourrons voler. Nous aurons les commandes. Il recevra toutes les connexions pour brancher les commandes. Il y en a des centaines. Nous nous demandions même l'autre jour si nous pouvions trouver quelques systèmes électriques pour compléter les circuits de l'avion.
Je pense qu'il y a probablement plus de 50 personnes qui ont travaillé sur cet avion au cours des années. Et il y en a environ 35 ici tous les jours. Certains nous ont malheureusement quittés depuis. Nous estimons que dans les deux dernières années, nous avons passé à peu près 17 500 heures de travail bénévole annuel avec nos volontaires qui viennent travailler ici avec leur panier repas pour reconstruire le NA-337. Il y a 750 000 rivets sur cet avion et ils doivent tous être remplacés. Nous espérons restaurer au moins 70% de l'ensemble, donc 70% de la masse de l'avion. C'est notre objectif dans la restauration de cet appareil et je pense qu'on va y arriver. Maintenant, on a trois des hélices à remonter. Les mécanismes sont authentiques, les mitrailleuses également, mais nous avons perdu un peu de masse ici. Nous avons réalisé que nous ne pourrons tout restaurer. Le revêtement doit l'être car il y avait des trous causés par les palourdes et les moules. Le magnésium a suivi sa propre évolution et une partie des autres composants doivent être reconstruits car trop corrodés. Et ce qui reste, nous essayons de le sauver. Bien sûr, c'est fantastique de voir un Halifax et ses grandes ailes dans une si petite salle. Et nous sommes impatients de le voir dans le nouveau hangar. Croyez-moi, pour voir cet avion, beaucoup de vétérans aujourd'hui qui sont si vieux et sont trop mal en point ne pourront pas venir voir leur Halifax bien-aimé. Donc tous ceux qui ont volé sur ces avions, sur cet avion, nous leur dédions ce Halifax. Nous avons encore à assembler les bouts d'ailes et les moteurs. Il y a encore quelques menus travaux sur les dérives, comment réparer les extrémités, tout ce genre de boulot. Il y a encore beaucoup de travail dessus, comme sur les trappes des soutes à bombes. Ça nous prendra encore au moins 2 ans pour le finir. Notre objectif est de perpétuer le souvenir de la construction de cet avion, de façon à ce qu'il soit conservé très longtemps. De façon à ce que dans 50 ans, quelqu'un puisse venir ici et dire « Mais quelle étrange chose !» Nous sommes engagés dans bien d'autres choses que l'histoire d'aviation. C'est l'histoire qui est là et l'histoire des nombreuses personnes qui est là également. Heureusement, nous pouvons conserver de manière vivante la mémoire des gars qui ont fait un grand sacrifice dans la mémoire collective. Et ainsi, personne ne pourra oublier ce que ces gars ont fait pour nous. Je suis vraiment, vraiment très ému. Je ne peux vraiment pas expliquer ce que je ressens. Ça représente tant de milliers d'heures. Peut-être plus d'un quart de million d'heures de travail bénévole sur cet avion. Il y en a pour plus d'un million de dollars. Mais tout ça ne veut rien dire lorsque vous réalisez que cet avion est exposé et que l'héritage qu'il représente est celui des hommes qui ont volé dessus et sont morts pour la liberté. C'est simplement formidable d'être impliqué dans ce qui va permettre de perpétuer l'histoire. Une fois, on a décollé au crépuscule et il y avait des orages tout autour de nous, comme une route pavée d'éclairs allant du nord au sud. Nous sommes montés jusqu'à 12 000 pieds et ça se passait pas si mal, direction le sud, comme si nous étions dans une vallée entre deux collines. On voyait la lune. Et elle éclairait les nuages à notre droite. Il y avait encore quelques rayons de soleil qui éclairaient encore les nuages les plus élevés à l'est.
Et bien sûr, la Lune était au-dessus de tout ça. Des éclairs tout au long de notre route et nous volions entre deux orages. C'était une vision magnifique, une de celles qu'on n'oublie jamais. Mais comment le réglait-on? Comment on choisit une fréquence? Ouais, c'est un peu compliqué. Vous deviez trouver les fréquences dont vous aviez besoin et vous régliez les boutons qui se trouvent ici. Alors, vous expliquez comment, rendez-vous compte. Je ne l'ai pas fait depuis plus de 60 ans.